Nous juste devant, on nous dit merci parce que c'est bon Dieu, parce que c'est roi de roi, parce que c'est Seigneur des Seigneurs. Réaliser les gens merveilleux, dignes de louange, dignes de gloire. Pas besoin de guetter un coup. Pas besoin de guetter un coup, les réaliser. Gros, c'est bagaille qu'on fait pour nous toutes. Bagaille qu'on fait. Bagaille que l'autre monde pas besoin de faire. C'est le petit doigt. Seul petit garçon là, ou décider, ou prendre, ou voyer sous la terre, pour les mourir pour nous, pour qu'à parler je dis. À Golgotha, sous un croix, sans Jésus, sans pétoulé. L'accepter, le crucifier, pour être gagné la vie. A tout cœur, m'a chanté, comme l'amour de moi, m'a donné. Qui t'a fait ça pour moi? Quel homme qui t'a fait ça pour vous penser? Pas quel homme qui t'a accepté? Quel seul petit garçon que vous voyez pour mourir pour vous? Ça, c'est ça Jésus qui a fait. C'est seul bon Dieu dans le ciel qui a fait ça. Acceptez-vous et petit lui. Seul petit garçon qui a mourir pour vous. Qui est-ce qui t'a fait encore? Oh Seigneur, sous le roi. Thank you.
un jour au rêve étrange, sublime vision, sous l'égide d'une ange, je m'enfuis en Sion. Là, tout près du portique, j'entendis des enfants qui chantaient un cantique au son clair et touchant. Les anges, oh, ces chants, unirent leurs accents. Merveilleux rêve, un autre succéda. En chant suivi la trêve des joyeux hosanna. Le ciel devint livide, le soleil s'obscurcit. Sur un monde perfide, naissant la sombre nuit. Pour le roi. Mais bientôt Dieu fit naître un spectacle plus beau. Mes yeux virent paraître tout un monde nouveau. Je vis la cité sainte et ses murs en cristal dans son immense enceinte. La souffrance et le mal n'avait aucune place, tout était pur, parfait, le bonheur et la grâce qui régnait à jamais. Chapitre 28. Après cela, nous apprenons que l'île s'appelle Malte. Ses habitants sont très bons pour nous. Ils allument un grand feu et ils nous accueillent tous autour du feu. En effet, la pluie s'est mise à tomber et il fait froid. Paul ramasse un tas de bois mort et il le jette dans le feu.
Mais une vipère sort du tas de bois à cause de la chaleur et elle s'accroche à la main de Paul. Quand les habitants de l'île voient la vipère pendue à la main de Paul, ils se disent entre eux : cet homme est sûrement.